Bonjour, dans cette vidéo, tu vas revoir comment sont construits les nombres de 0 à 99. Donc dans ce tableau, les nombres sont rangés de 0 à 99 par famille. Alors, dans la première ligne ici, sont écrits les chiffres avec lesquels tu peux fabriquer tous les nombres. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans cette ligne, ici, c'est la famille des nombres qui ont une dizaine. Donc tous les nombres commencent par une dizaine. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dans la famille dessous, tous les nombres commencent par deux dizaines. C'est la famille des 20. Donc ici, tu as la famille des 20. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ensuite, la famille des 3 dizaines. 3 dizaines. Tous les nombres ici vont commencer par 3. 3 dizaines, c'est 30. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. On continue. La famille des 4 dizaines. Tous les nombres dans cette ligne commencent par 4 dizaines. 4 dizaines, c'est 40. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Puis, la ligne des nombres qui ont 5 dizaines. 5 dizaines, c'est 50. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. La famille qui commence par 6 dizaines. 6 dizaines, c'est 60. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. La famille qui commence par 7 dizaines. 7 dizaines, c'est 70. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. La famille qui commence par 8 dizaines. 8 dizaines, c'est 80. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Et la famille des nombres qui ont 9 dizaines. 9 dizaines, c'est 90. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Dans chaque colonne, tu peux remarquer que tous les nombres, ici dans la première colonne, se terminent par 0. Dans la deuxième colonne, tous les nombres se terminent par 1. Dans la troisième colonne, tous les nombres se terminent par 2, etc. Ici, tous les nombres se terminent par 3. Ici, par 4. Ici, par 5. Dans cette colonne, tous les nombres se terminent par 6. Ici, tous les nombres se terminent par 7. Dans cette colonne, tous les nombres se terminent par 8. Et enfin ici, tous les nombres se terminent par 9. En fait, les nombres se construisent toujours de la même façon. Après 0, tu as 1. Après 1, tu as 2. Après 2, tu as 3. Après 3, tu as 4. Après 4, tu as 5. Après 5, tu as 6. Après 6, tu as 7. Après 7, tu as 8. Après 8, tu as 9. Et après 9, tu as 0. Sauf que c'est le premier chiffre qui va changer. À chaque fois, la dizaine prend une dizaine de plus. C'est-à-dire ici, quand tu as ce nombre 19, 19, il indique que la famille des 10 est terminée. Donc, tu vas, après la famille des 10, de une dizaine, le nom
va commencer par deux dizaines. Donc après 19, tu as 20. Idem ici, 29, ce nombre, il indique que la famille des 20 est terminée. Donc, après la famille des 20, après la famille des deux dizaines, tu as la famille des trois dizaines. Et le premier nombre de la famille des trois dizaines, c'est 30, 1, 3 et 1, 0. Toujours pareil, 39, ce nombre, il indique que la famille des trois dizaines, que la famille des 30 est terminée. Donc, après la famille des 30, des trois dizaines, tu attaques une nouvelle famille. Et après la famille des trois dizaines, tu as la famille des quatre dizaines de 40. Et le premier nombre de la famille des 40, c'est 4 et 0. C'est 40. On continue encore une fois. 49, ce nombre, il indique que la famille des quatre dizaines, que la famille des 40 est terminée. Et après la famille des quatre dizaines, eh bien, tu commences par la famille des 5 dizaines. 5 dizaines, c'est un 5 et un 0. Voilà, j'espère que tu as compris. Bon travail!